Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir pour toute fanatique, auditeur, auditrice qui branche radio, Parler Haïti, Chanel, Parler Haïti, la voix du peuple. Salutations à nous spéciales et que papa bon Dieu bénisse nous. Nous saluons fanatique qui est international là. C'est là où qui est dans le pays d'Haïti qui branche Parler Haïti. Bon Dieu bénisse nous toutes, mesdames, messieurs. Jeudi, c'est mercredi, exactement, c'est 18 septembre 2024. Que le Seigneur continue de protéger nous, bénisse nous, faire route pour nos côtés qui paguent. Route en pile, bénédiction pour nous, mesdames, messieurs. Nous pour aller droit. Nous parler droit avec information yo brique chargé pas camper me saluer équipe là me saluer Ronnie bout tonton Ronnie bout tonton cap fait manœuvre technique yo pour nous mesdames messieurs. Alors nous parler bay toute information là Ronnie bout tonton s'il vous plaît et gérer toute bagaille pour nous. OK, merci en pile. Voilà, c'est une émission qui chargé avec bon gens dossier, qui chargé avec bon gens information. N'a pas pas rater une seconde, pas rater une minute puisque gain dossier dans émission ça. Mais avant tout, bon salut tout sponsor moi parce que c'est grâce avec sponsor nous qui fait nous capable porter chaque grande émission pour vous. Eh bien, nous saluer dans émission ça sponsor officiel nous qui c'est zami moi docteur Sergo. Docteur Sergo c'est solution cheveux qui pas ka grandi. Soit tandem là ou gain un proche ou même et zami ou quelconque maman ou papa ou quelconque qui gagne un problème cheveux qui pas ka grandi cheveux à l'aide li chaque, eh bien docteur Sergo gen solution. Quel que soit type cheveux ou gagne ou capable utiliser produit ça. Montez sur website là qui c'est www.grandicheveux.com pour acheter cheveux par là. Pile zami commencez à acheter cheveux et ou commencez joindre résultat. C'est ça qui fait m'a dit ou même qui acheter produit cheveux même que ou commencez ouais résultat pas camper utiliser produit à tout autant ou pas gain 90 jours de pour servir avec lui. Ça veut dire que ça de pour acheter l'ouel presque fini, retourner acheter un autre parce que c'est un traitement qui dirait 90 jours ou bien plus. OK, parce que gain moun gens ouais cheveux ont grandi n'espace 90 jours, gain moun qui remet gens cheveux a grandi ou veulent continuer pour cheveux a plus grandi, et bien ils continuer traitement. Mais dans moins que 90 jours, nous pas recommander camper traitement. C'est continuer traitement. Suivre 90 jours où les cheveux a tellement grandi ou remet pour le grandi plus, continuer process là et bien c'est qu'on s'allie. Grandicheveux.com, et bien docteur Sergo lui même son jeune haïtien qui vit aux États-Unis qui étudie pour ça. Il consacre le traitement pour cheveux pas grandi. Si span passé vie l'huile qui sorti en Chine dans tête ou vieux shampoing qui sorti en Chine dans tête ou docteur Sergo lui même la ba ou solution. Et bien et produit si on reste qui vient avec yon l'huile cheve qui vient avec shampoing avec yon rinse. Montez sur website là rapide pour faire commande par là. Mba d'accord pour nèg yo quitter mesdames yo la madame yo avec cheve yo tout l'aide. Monsieur, nous les nous garder madame nous cheve à l'aide. Nous dit mon cher, bambay docteur Sergo et pour le traiter tête là pour cheve a pour cheve madame moi belle pour cheve madame moi grandi. Eh bien acheter produit pour dame nan, eh bien fait le plaisir. Fait tête li belle parce que les madame ou belle camarade, ça sont fierté pour grandicheveux.com. Docteur Sergo, merci en pile. Aïe, on a dit, tenez bien, dossier ça. Monsieur, tenez bien. Monsieur, moi, je joue avec pays, on sait le bain, dit nous. Haïti, arrivé dans un moment là, peuple a vraiment nevé. Oui, peuple a nevé, et monsieur, m'a dit nous ça clair. Dans le jour pour aller venir là, monsieur, dans le jour pour aller venir là, je parle avec les conseils de cette tête, je parle avec tout volé que les gars connaissent. Si je parle avec nous ici, monsieur, tenez bien. Monsieur, nous vivons dans un moment où nous faisons trop. Monsieur, nous faisons trop, monsieur. Monsieur, comment nous sentons nous? Là nous vivons la caille nous, est-ce que son fierté pour nous pour garder madame nous avec petite nous? Mais c'est comment nous senti nous là nous prend comme moun qui vulnérable, moun qui pas ka manger pour n'a prend comme ça yo acheter manger bay madame nous bay acheter bay petite nous. Mais comment nous senti nous? Nous même k'ap voler l'argent pays, par exemple CAS son boîte qui là pour moun qui vulnérable, CAS son boîte pour moun qui handicapé, moun qui pas ka manger. On a son boîte qui là pour aider moun qui pi ba pour aider ti marchand yo là pa gen rien nan men yo, on a son boîte pour aider ti marchand yo. Mais combien fois nous t'entendez nous prêtons ti marchand dans l'argent pour la le dégager? Jamais, pas jamais gen ça dans pays ya. Chodia monte sou non ti moun li descend sou non grand moun. Par exemple, on pense CAS tout cop qui vient dans boîte là nèg yo vole tout l'argent ça net. Mba jamais t'entendez kote yo font geste achetons ti sac diri. Rele yon nan moun, rele yon avèk, bay li, rele yon kokobe bay li. Nèg yo pren tout kob yo, tout bagay, yo fouye nan poch yo, yalo kipe madame avèk pitit yo. Tout nèg sa nou la, zanmim, madame avèk pitit yo pa vive Haiti, ya vive aux États-Unis, Canada, Saint-Domingue, la France. Tout moun sa nou nan pouvoir cette tête la, yon pa gen fami an Haiti, tout fami yo a vive à l'étranger.
Chaque vendredi, yo descend avec makoukou l'argent. Tout l'argent qui entre dans la boîte là, ou même kap voye dollar 50. FN et comme ça, tout a joué avec ça. Et Zach Petris là, il a volé l'argent peuple là. Il a volé tête diaspora. Ou même qui c'est diaspora, ou finir dit ou acheter un caille. Nèg yo prend prétexte, c'est bandit qui a attaqué, kala prend kala, plutôt c'est même nèg yo qui a allé, qui prend caillou. Qui veut dire son groupe volé qui là, peuple a privé sous nèg yo, mais c'est n'a prend bois calé. N'a envie de parler plus, même pas de parler plus parce que l'émission, hein? M'bote dossier pour nous, m'bavle rate yon nan dossier. Bref, on allait. Et, bon, qui dossier m'a pris avant là-bas, yon tellement pile la même. Digicel, nek Digicel l'a parlé. Bon, pour déclaration, Jean-Tel Joseph. On allait. Jean-Tel Joseph dit, Moïse Jean-Charles, c'est un moun sans caractère. Li dit, s'il ka fouye tête li en bas vente blanc, c'est un moun ki sans caractère. Li dit, Moïse Jean-Charles, son effrette. Moïse Jean-Charles sont mangés blié. Moïse Jean-Charles si on a boulot chou. Jean-Tel Joseph déclaré, lui-même même avec Guy Philippe, dans le jour pour venir la partie 20 septembre, pour aller un gros coup qui pète dans le pays d'Haïti. Et coup ça, même Moïse Jean-Charles a pété coup parce que Moïse Jean-Charles, pas qu'à prendre sous coup ça, qui peut aller là, mesdames, messieurs. Directeur n'a pas dédoublé coup patriote, mais il un message puis ma bouc by chaque grand haïtien et spécialement ou même cap vivre dans l'international là en dans des sens m'a tourné même qui fait des collabos qui t'a porter tête yo c'est pas blanc qui m'a dit yo cal porter tête yo by blanc pour blanc prendre décision pour yo donc maintenant moun sa yo choisi et livrer tête yo by blanc. Yo al CARICOM, yo passe yo nan bêtise, yo fè yo fon akwa, yo fè yo expérimenté yon bagay ki poko jam fèt nan moun de lan kote yon peyi pral gen 9 moun, 9 président nan tèt li, et kon akwa sa jiska prezant nou menm person, pes haïtien pa kon ki sakte nan akwa sa. Nèk sa yo di, yo menm, et yo te fè a, parce yo pa jam pibliye l. Donc finalement, donc se pa blan te deside vin impose nou, et chwali, mais c'est haïtien même Galdi Blanc vient diriger nous nous pas capable et s'il vous plaît à l'époque c'est pas des moindres c'est des monde qui fait partie des classes politiques traditionnelles là c'est des monde qui dans des partis politiques que tout le monde pensait parti ça était qu'à défendre intérêt population mais qui sont constatés qui ça nous découvrir qui ça nous joindre nous ouais monde ça yo c'est yo vinn plus esclave que esclave que qu'on gagne de monde nous dit en cachette qu'a collaborer. Mais je dis, on a fait totalement avec des sous-hommes, on a fait totalement avec des femmes, mettre comporté comme des femmes des maisons des internationales là, qui banou ça ne banou. C'est pour raison ça nous dit, nous-mêmes, je dis, combat doit centrer sur le respect de la souveraineté nationale, et c'est pour raison ça, les réveils nationaux de l'Anlis pour le TVN, pour le TAL, nous ne sommes pas d'accord pour que nous te remettions droit de mes nous. Avec CARICOM, nous pas accepté pour rien au monde, pour nous prendre CV nous comme petite de Saline, pour nous prendre CV nous comme petite capoie à la mort, pour nous voir le bail pour M. Sayo, pour ce qui a décidé pour nous. Nous pas entrer dans la logique là, parce que même les non paniers ou qui ont 1000 oranges qui pourrit, ou qui ont au moins une graine, qui ont 2 graines qui bon. Mais c'est dans ce sens ça, nous même, je dis, nous faisons appel à la conscience national et réellement comme vous constatez c'est un pile groupe organisé c'est un pile leader c'est un pile groupe politique qui rejoint nous dans gros combat pour souveraineté nationale là côté nous dit aujourd'hui faut que nous retourner dans constitution pays nous faut que nous retourner dans institution pour que c'est nous qui choisit qui monde qui pour diriger nous suivant ça la loi suivant sa constitution nous dit mais c'est pas suivant ça blanc mandé nous faire c'est pas suivant ça CARICOM mandé nous faire donc la bataille là son bataille pour nous c'est pas contre blanc seulement pour nous faire son bataille pour nous faire contre un vagabond ça yo qui pas respecter tête yo qui pas respecter histoire pays qui pas respecter peuple haïtien comme un grand peuple hein qui jodi a mené nous côté là donc nous clair nous comprenons dans qui bataille nous yé nous connaissons, n'a tout le monde des collabos qui plonger pour albay kouba mais tout a toujours une quantité de garçons et de femmes qui comprennent aujourd'hui Haïti nous va descendre dans le niveau plus bas encore.
Là, justement, et son mobilisation et fusionnement entre nous, tout secteur réuni, tout groupe, yo. Bah, on est-ce que dans l'opposition, on a parlé de l'IA, nous arriver, c'est tout le monde qui pas d'accord à pouvoir nous censer mettre tête nous ensemble. Parce que je dis, à une perception, malheureusement, moi, obligé de retourner sur question ça encore, une perception, les générales, et chaque fois, vous obligé de porter un petit éclaircissement sur ça, entre le clan Guy Philippe et le clan de Jean-Tel Joseph, ou senti, perception qui arrive joindre mon yo, c'est que, de partis ça, est-ce que bah, yo marché? Est-ce que son mobilisation juste, a pensé ensemble? Juste avant de je répondre, parce qu'en communication, tout petit détail compté, t'as l'air moi absalé de ces deux qui n'ont opposition plurielle là, moi aussi t'es non moun, alors que Guy Philippe, comme un visage emblématique, moi aussi t'es non ligne, dis que ça passe. Bon, laissez-moi dire, mon frère, bataille ça. Nous là, DG, nous là. Hein? Allô, DG, vous là avec nous? Ah, moi là. Ok. Laissez-moi dire. Et dans la perception, un peu le monde dit qu'il y a un conflit, il y a un problème qui existait entre et Jean-Tel Joseph et entre Guy Philippe. Laissez-moi dire. Entre Jean-Tel et Guy Philippe, nous pas gagné à rien. Nous étions. Moun nou te ye, hein? Je dis, hein, et sénateur qui lui-même, lui gagne un groupe, la dirige qui se frein, et qui lui-même, nous tout connaît avec ingénieur Nader, nous, qui combat, ils ont même yon engagé dans son spy, celle ça, on a constaté, au niveau réveil national, là, nous-mêmes, nous sommes proactifs, l'aime du proactif, là, nous sommes toujours debout dans l'activité. Bien en effet. Et puis, et qui ça va le faire? Parce que pas gagné. Trois cas, moun pe di activité yo. Et pas gagné, rien qu'a fait. En termes de bilan. Pour le premier ministre, là, nous dit c'est zéro barré, c'est on est gap fait sport, son moun chaque seconde là, pas annoncé de gros bagailles ou pas kawe sa ka privé. Donc, en gros, nous n'avons pays qui pas dirigé, nous n'avons pays côté tout le monde et tout le monde qui vient poste de responsabilité, c'est des moun qui a privé à faire par eux pendant que le problème de population vient à aggraver. Bon, bon côté CPTA, nous n'avons pas besoin de parler du tout, nous n'avons pas rien à régler. Je dis à ce conflit entre eux, nous n'avons pas d'impossibilité, j'en sortis là, pour organiser un conseil des ministres, pas d'impossibilité pour organiser un conseil de gouvernement. Son pays qui est bloqué. Son pays qui est bloqué, pas de rien qu'à fait pour la population. Je dis, hein, nous-mêmes nous disons, laisse aller trop tard même pour peuple à réveiller. Faut peuple à réveiller dans le sommeil de mort. C'est première fois dans toute l'histoire du pays, nous avons une génération d'hommes et de femmes qui zombifient dans l'état ça, qui acceptent de vivre dans l'inacceptable, qui acceptent, je dis, pour petit jour pas à l'école. Et ma petite tu pas à l'école, même là où tu avais fait un effort pour éviter l'école, mais pas de côté pour l'école, un paquet d'écoles fermées, un paquet d'institutions crasées, et 80% de business dans le pays a fait faillite, et tout le monde qui était dans le pays, c'est le monde qui résigné à le monde qui n'est pas capable. En passant, tout le monde sont plein de choses. Donc, est-ce que définitivement, nous-mêmes, question la pose, nous avons quitté le pays? Nous disons non. Nous ne pouvons pas quitter le pays. Faut que bagaille qui fait. Ça qui fait là, c'est population pour réveiller dans le sommeil de mort. Alors, c'est de ça que nous parlé là. Déjà, bah, on a tant d'émissions. C'est justement ça. Regardez ce qui a passé, les Haïtiens. Ce qui a passé là, discours discriminatoire contre les Haïtiens. Ce qui a passé là en République Dominicaine. Où c'était jeudi, à Haïtien venir la risée du monde. Nous ne pouvons pas dire rien. Jean au traité, Jean au ouais, nous. Et nous avons regardé la réalité. Elles sont construites. C'est en Haïti, c'est groupe dirigeant moun sa ou qui construit bah là et qui peut dévaloriser nous comme ça. Maintenant, qui ça n'a pas dit face à moun sa ou? C'est question. Laissez-moi dire. L'organe des dirigeants qui n'a pas de caractère,
l'organe des dirigeants qui pas mettre à la hauteur des responsabilités, l'organe des dirigeants qui comportait comme des collabos, comme des sous-hommes, comme des esclaves. Donc, pour pas qu'attendre nous à l'autre bagaille, respect pour la République dominicaine, pour nous-mêmes en tant qu'haïtiens, lui dépend de qui respect ou bien pour le monde qui soi-disant a dirigé. Respect pour Américains pour nous comme peuple, lui dépend de qui respect ou bien pour le monde qui a dirigé nous. Là, le monde qui a dirigé nous, c'est des monde qui sont en bas. Là, le monde qui a dirigé nous, oublié que c'était de sa ligne. Là, oublié que l'indépendance, nous, c'est sous ça nous dépend. Là, oublié que nous sommes peuple qui digne. On peut être plus fort, on peut être plus résilient. Yo même yo comporté yo en la bouillie, ou pas qu'à attendre l'autre bagaille. On nous garde ça qui a passé là. Tout ça qui a passé nous en République Dominicaine. Yeah. Est-ce que j'aime tendre, nèg sa yo, et j'aime font déclaration, hein, pour condamner ça qui a fait. Même on dit mon bat pas ajouté. Parce que ce sont des contractuels. Yeah. Est-ce que j'aime tendre des gens qui sont sensibles pour un petit poste que yo baille. Et il y a des bons côtés, il y a des bons côtés et tout. De moun wap mando, moun sa yo ki sa yap fè bon côté, moun sa yo comme conseiller, ki sa yap fè bon côté yo comme consultant. Il y a des gens, soi-disant dit, qui président ou premier ministre, lè la commet bêtises. Il faut que tu rayes pour dire, mon cher, fè bêtises. Là, nous pas associer la bêtise avec. Mais malheureusement, peut-être moins doux, pays a zombifié, et de moun ka l'école tourne sous homme. Et nous ne pouvons pas penser, nous ne pouvons pas que le pays a fait compter sur eux, parce que le pays a dépensé comme dans eux, il y a l'école, il y a formé, il y a voyagé, il y a vu comment le pays fait, mais ils viennent là, ils ne font pas nous tout le monde poubelle. Je dis, nous avons un groupe qui est installé, même pas là, ils ne peuvent pas ramasser dans le pays. Donc si même pas trop pas ramasser, qui l'autre qui a dit nous avons une sécurité, nous avons rétabli l'autorité de l'État et pour organiser l'élection. Et que son équipe nulle qui l'a, et puis il a fait distraction. Comment comprendre Vladimir? Comment comprendre Delfort? Non contexte comme ça, pendant que M. Papa Prémé dans rien, et puis il a fait distraction du faire conseil électoral. Comme sérieux, est-ce que Moun Sayo, il respecte Moun? Est-ce que Moun Sayo, il respecte tête? Est-ce que Moun dans la société civile là, dans situation ça nous hier est-ce qu'on parle moun sa aujourd'hui du fenêtre est-ce qu'on parle moun sa au perdit tête yo est-ce qu'on parle moun sa tout ça que gen comme moun de la caillou au perdit yo parce que nan ki sont pral mettre population en dire nan ki sont pral mettre moun sa quoi désigner là nan scandale de la honte ça pas gen youn nan conseil électoral yo ka gade moun nan je dire non c'est en cachette yo personne pa wè nou yo pa ka gade journaliste nan jil yo pa ka gade peuple là nan jil parce que yo honte. Et malgré ça, on est conscience qu'on peut comprendre pour la population en soulever. Donc nous-mêmes, c'est là, nous nous campagne de conscientisation, nous nous campagne de motivation pour que nous assurions, nous lever campé à fête. Et c'est pour ça, nous disons, le 20 de ce mois, nous avons lancé encore à Port-au-Prince la marche des braves. Je dis, il faut que nous suspendions les zombies. Il faut nous camper en brave garçon et à courir des corrompus. Mm. On a le courrier des corrupteurs, on a le courrier des incapables, parce que nous n'avons pas qu'à quitter le pays à nous, il faut que nous prenions ce pays. Alors, on va aller. Oui, on a pendant parlé et déjà parlé de 20 septembre. 20 septembre, quoi que c'est date naissance de Saline. Kouna Samab dit là, puis Mbatare, mais que l'opposition plurielle là fait même pratique avec l'ancienne opposition que nous déconnions à chaque date historique, yo, et puis c'est là nous profiter pour manifester. Alors que c'est un travail de mémoire, t'es gain, on l'autre travail qui était fait pour mettre que nous nous plus conscientiser, sensibiliser, puis gain dans même logique là, que même route là que nous prenons, et déjà Gentel. Non. Allô? Mais ça qui est, je veux dire, c'est pas une question de. C'est chaque fête n'a pas son activité. Okay. Parce que même minute n'a pas la voilà, au niveau équipe là, nous gagnons une campagne de conscientisation à fait pour nous aboutir avec un congrès côté là pour nous réveiller conscience tout le monde. On allait, Woni, bon prêt dossier barbecue, qui est-ce qui va le raconter nos dossiers ça? C'est ce vieux ami, moi, Blau, Brasilaria. Alors, les grands mes amis, c'est Brasilaria.
Ou bien metrov, zenek, garçon, yé. Brasse la ria, garçon, yé. Brasse la ria, garçon, yé. Ou bien metrov, trop, brasse la ria. Ok? Allons, vieux, nègre, mes zé, papa, brasse la ria. Brasse la ria, très bien. Barbecue, barbecue, goun, zinc dans la ria, là. Vive ensemble, prends la ria. Barbecue, mettez pied la terre. La police, mettez balle. Ça qui va le passer, zéro. Zéro barré, zéro défense pour barbecue. Eh bien, qui ça qui passe, même, mesdames, messieurs? Dossier chaud, barbecue dans courri. Qui est-ce qui va me dire ça? Ces amis, moi, brasse la ria. Ma presse pour brasse la ria parce que, goun l'autre dossier qui est important là, parce que, et, yon compatriote là, Michel Bayrezon, qui fait, acte indépendance pays d'Haïti à l'atterri juste Angleterre, nan men blanc anglais. Alors, messieurs, ça, les Bayrezon, hein, li dit, il y a preuve pour ça. Ou comme pas t'apprends Michel avant, parce que, émission pile là même là, ou comme t'apprends Michel avant. Avec dossier barbecue, ça m'a fait avant là parce que un dossier en pile là même. Eh. Mais c'est dossier tellement pile là même là, m'pa konn ça pour me faire non. OK, pas de problème, bon prendre brasser l'aria, bon prendre brasser l'aria parce que gagné PDG Digicel là tout qui sorti dans silence responsable Digicel là. Alors et tout dossier en pile là même, m'pa konn côté pour me commencer, côté pour me finir parce que dossier en pile. Alors bon qui t'a prendre brasser l'aria ba nous zin barbecue. On aller maintenant baisser n'a tourner, on aller. Brasser l'aria là, zanmi. Barbecue cap fait cousi pendant jour là et barbecue Jimmy Cherizier alias barbecue révolution de bon cathédrale mon cher qui s'allie nous songe nous quoi c'était mercredi yon bataille éclaté là anti monsieur Simon Pelé et nèg cité soleil bataille là Jean-Marc Andal te dit nous li levé après un match football là c'est prétexte là match football là sans doute et nous capable dit ces graines de l'eau qui t'ai renversé vase là hein ces gouttes de l'eau qui renversé vase là mais c'est une bataille qui t'ai là pour te faire coûte que coûte parce que gagnon problème dans question intérêt que nèg yo partage même sous dans des vivre ensemble moi même toujours dit m'a toujours dit moun qui voulait quoi moun qui voulait tendre il y a tendre li même sous dans des tout nèg yo a dit yo font seul journée jodi hein c'est blague c'est bout nini lié hein bout nini Paul Marinade de Gabay là Paul Marinade de Gabay là parce que qui ça gon question intérêt l'amour sans joue c'est pas intérêt Jeff Gaulois pas intérêt et Ti Gabriel pas intérêt Mathias pas intérêt bout de Jean intérêt Jean c'est pas intérêt Mikano ainsi de suite Jean Mikano fait gang lui même Jean l'a brassé pour faire l'argent lui même. C'est pas comme ça isolé même li brassé pour le faire cob. C'est pas comme ça barbecue brassé pour le faire cob. C'est pas comme ça til a pli brassé pour le faire cob. Et c'est ça tout le temps qui qu'on a causé problème dans mitan nèg yo. Bataille a éclaté tout de suite après un match football, habite pas et retiré goal et puis regardez et puis bataille éclaté. Coup de balle fait, bandit tombé, moun tombé. Un pile de dégâts fait, après ça, nèg yo monté là dans Simon Pelé, coup de balle dans Simon Pelé, boulet caille dans Simon Pelé, ou non, bandit tombé dans Simon Pelé. Bon, bandit tombé dans les deux camps, bandit tombé, ni nèg Cité Soleil tombé en bas coup de balle, ni nèg Simon Pelé tombé en bas coup de balle. Mais bagarre là qui ça? Gon certain de Ti Gabriel, qui est différent avec Simon Pelé et qui décide là, profiter de situation ça pour péter bataille avec nèg. Et son bataille moi dis bataille Ti Gabriel Simon Pelé a son bataille qui t'a éclaté à n'importe qui moment. Qui est-ce qui te connaît et toujours protéger nèg Simon Pelé? C'est deux nèg, oui, c'est Iska c'est barbecue. Iska tombé là, Iska mouri là. C'est barbecue mais kounya bloc barbecue yéa avec bloc Simon Pelé a qui trop distance parce Iska t'est dans Cité Soleil. Là où qu'il est Cité Soleil ou prend route national numéro 1 ou Jambi Cité Militaire. Ou retan dans Simon Pelé. Mais barbecue lui même jou kote l'té basi en Delmas. Li pas trop loin nèg yo tout non. Mais li gen plusieurs carrefour pour Jambi. Ou après tout l'autre jour là les batailles a éclaté, il voye quelques nèg là, il voye délégation là. Nèg yo pas arrivé. La police gen intercepté nèg yo, li pété tête nèg yo à coup de balle. Mais on regarde non. Barbecue t'a fait tout temps ça, tout temps dans nèg yo pété balle barbecue relé nèg yo. Li pa jam ka jwenn nèg yo. Eh ben ki sa barbecue fait lui-même? Li décide là mette pied la terre, li rentre dans Cité Soleil, sorti dans Cité Soleil, li rentre Cité li rentre Simon Pelé, li chital parle avec nèg yo et ensuite là gon gros tonton bout réunion que t'ai fait là. Ah oui, samedi. Monsieur réuni avec nèg yo blaou, li chital parle avec nèg yo,
li explique nèg yo bataille a fè la, li pa nan intérêt piès moun, li pa nan intérêt pa yo personnellement, li pa nan intérêt moun nan bloc côté yo rete yo, a vle di population parce que pile moun Simon Pelé mwen di sa ki te commencé a courir, lagé pied yo, li te di nèg yo, li pa nan intérêt moun sa yo. Li pa nan intérêt moun Cité Soleil, li pa nan intérêt moun Simon Pelé, li pa nan intérêt gang yo kap goumen an, el pa nan intérêt structure sa yo monte ya yo rele viv ansanm nan. Donc li te montre nèg yo ke bataille ap mené an, sèl moun ki jwenn intérêt nan bataille sa, se gouvernement, se peyi a. An d'autres termes, se peyi a. Mais Michel li menm li pa di peyi a nan, tande wi. Barbecue parle l di sèl moun kap sorti ganyan nan bataille sa nan ap mené an la, se gouvernement, se Gary Koni. Gary Koni, c'est travail n'a fait pour Gary Koni là. Le kon sa Gary Koni pa gen besoin voye force nan dégouen nou. Ba si nou fin entretuer nou. Si nèg Simon Pelé krasé tête nèg Cité Soleil krasé tête nèg et Simon Pelé. Si nou deux a nou mettre ensemble, nou décidé goumen entre nous là et puis yon tué l'autre. Qui aura gagné? Gary Koni. Parce que c'est lui même qui là, maintenant qui gagne mission. Rétablir l'ordre avec sécurité, la paix en dans pays a. C'est Gary Koni qui a responsabilité mettre gang hors d'état de nuire dans pays a. C'est Gary Koni qui dit là de caille en caille et de quartier en quartier, de ville en ville, libre à reprendre tout territoire perdu. Donc si n'a pas entretué nous monsieur, Gary Koni aura gagné. C'est ça avec vous faire yo comprendre. C'est ça avec vous faire yo connait. Li dit je li pas normal, li pas logique. Pour qui ça n'a boum entre nous là? Pour qui ça n'a pété coup de balle entre nous là? Monsieur arrangez nous, conformez nous monsieur. Monsieur, nous go ennemi oui. Nous go ennemi comme oui. Qui c'est force de l'ordre qui a organisé là pour écraser tête nous monsieur. Pendant force de l'ordre a fait j'effort là y a avancé sous nous. Nous même et pas qu'à un moment ça nous choisit goum entre nous. Est-ce qu'on entend toute logique barbecue le faire avec les yo? Ça m'a dit là un indien oui. Indien dit ni ouais monsieur vini et nèg yo fait monsieur fait réunion nèg yo chita Mathias Benji onon t'es là et mi et Juma t'es descend hein Juma descend Juma t'es obligé quitter zone de confort il descend. Mais Matou Piki, Matou Kage lui-même n'est pas là, hein, il pas arrivé dans réunion ça et Ti Gabriel lui-même n'est pas arrivé dans réunion mais toutefois il était monde lui mandaté mais et barbecue parlait avec Ti Gabriel dans téléphone, il discutait avec Ti Gabriel mais il promet à Ti Gabriel pour le monter dans bloc lui pour le chita pour aller parler ensemble avec lui pour expliquer le plus bien. Il dit bagay sa yo, c'est face à face yo parle yo. C'est pas bagay yo discuter dans téléphone tout hein, c'est face à face. Monsieur wo, nan moment la parler a blaw depuis les barbecue entamé et ti vireron sa caravanza qui te nous dit effectivement tirer au fond campé là, tirer au fond campé hein. Monsieur fait réunion samedi là et pas gen pièce coup de balle ni samedi ni dimanche et même lundi en là. Pas un coup de balle qui pète là, Tiria, li font camper, hein, li font camper là, hein, et donc, activité commence à reprendre dans Simon Pelé, et nous apprenons que les gens qui étaient courus, qui étaient réfugiés, soit cité 4, ou sinon, au CAI, cité au CAI, tout bas, qui commence à retourner la CAI, vous comprenez, non? Donc, dans Cité Soleil, on calme. Qui commence à rebalancer là, mon Cité Soleil commence à sortir tête yo, parce que avec bataille qui te gen là, blau, gros coup de balle qui t'ap chante yo là, fait activité yo te paralysé. Aïe, comment on va le dire, ou va le sortir pour le vendre, ou va le sortir pour le dire pour le date, et puis menèg yo même yo dans l'arrière, et coup de balle y a échange entre yo, menèg ap envahi Simon Pelé là, c'est boule y a marché boule kaye, comment ou va le gérer ça? Mais qu'on y a pour kaye qui boule yo, avec yo dit, moun ki mouri net, kay ki boule net, ou non, et sa gen pou fèt la, c'est avec moun ki vivan yo. Et ça, m'je dis, pou kay ki boule yo, et si, c'est, on dit, si c'est kay en mu, si nou ka, si c'est toi qui te couvri en tol, et du fait à boule tout bois yo, et nou kapab, aye saldi neg yo, pou neg yo achete bois, pou neg yo refè, trois kay la pou moun yo. Aye barbecue ki passe l'autre la, on dit pour nèg yo refait trois kayla pour moun yo mais kay ki te boule rapide bon monsieur dit kayla boule net que yo cherche yon l'autre formule pour organiser moun yo en dedans mais monsieur dit moun ki mouri net pa ki pa c'est ça Benji t'a dit monsieur et oui Benji
Benji dit, monsieur, m'bran balle, soldat m'tombe, mais il dit, mais Benji, mato kage, monsieur prend balle tout. Monsieur qui est bras droit le numéro 2 qui mourit. Si vous pensez comme ça, monsieur pensez comme ça, et bien guerre pas fini. Et pendant tout le temps de la bataille là, nous avons continué à compter soldats, l'amour soldat, nous avons continué à jouer un soldat, nous, bon grain, jouer nous, pour tomber. Et bien, vous avez. Guess al pap j'en fini. Ah, ou al di, ah, monsieur tu es tel pour moi. Ah, il tue numéro 3, li tue numéro 7, li tue numéro 20. Eh ben, gars pap fini. Et ça fait, balek yo di nèg yo, moun ki mouri net, kay ki boule net, de gak fèt yo fèt net, monsieur an gade vers l'avenir, an corrige, an rectifie tir lan, ok? An nou vansé vers l'avenir, kounya. An pa gade de, nèg yo getan mouri, c'est bien malheureux. Nèg yo mouri net. Li di moi-même personnellement, va les bon grain soldat m'gen perdu. Et monsieur par exemple grain soldat gen. Monsieur par exemple soldat gen soldat li gen mouri tout l'autre jour là. Nèg djou te gen pile bag nan douette, li yo retire bal et bag yo. Et puis yo gwa yo flot mi jambre mi bal et puis il pèse. Monsieur par exemple et soldat ça li gen mouri. Li di mais m'pa kite émotion pou te malé. Moi m'gon bataille m'ap mené, m'gon équipe nèg kap suiv moi. M'doit rester leader pour nèg sa yo, c'est vraiment bon grain soldat. La police crase tête li, même pas wal ki responsable du c'est là sorti dans silence. Nous fait carré dans courir dans pays ça mes amis. Nous fait nan problème. Responsable du c'est là dit, yo pa dwe yon goud, c'est pour gouvernement dégager le fait kaliko bali passer pour la résoudre problème ça qui gagne en connexion qui gagne qui mal fait. Et ben côté un gros fil tombé, et ben côté fil là tombé à côté câble là tombé là pour Digicel entrer à l'rangel, et ben là c'est territoire gang. Et ben qu'on y a là gang yo pas vle bay passer, et ben pour nan Calico. Oh OK voilà, et ben responsable Calico lui-même, il pas d'accord pour Digicel entrer parce qu'il fait qu'on est c'est prend et nèg yo vle prendre terre. On question comme ça. Eh bien, il y a un pile monde qui fait quoi, c'est parole Digicel la baie pour voler l'argent peuple là. Digicel si on ne compare avec pico en pile dans pays là, si on compare il voler qui la donne, c'est chargé voler, c'est prend comme peuple là, on mettre font un petit plan là zanmi, jodi à la en bas j'ai Digicel prend l'argent. Son compare et j'aime dou là, cabrit garder j'ai mettre caille avant de dormir. Si pays ça vraiment vrai, n'était gain responsable. Si vraiment en Haïti zanmi. Si on pays qui pas tout, yo ta supposé prendre Digicel ça a fait le coup qui te pays à chercher l'autre compagnie faire entrer dans pays d'Haïti pour venir place service parce que Digicel pas moun pour égarer. Ouais, si pas de gnat comme même Digicel t'a fini avec moun. Compagnie que le Digicel là qu'on pique là dans ces volets là dans faut que bagaille ça fini mesdames messieurs dans pays avec question Digicel là. Et bien responsable Digicel là sorti dans silence mais ça le dit yo fait yo veut retirer tête yo dans ça qui a passé yo fin prendre corps peuple là connait là monsieur campé fait figil dit pour lui même c'est pas qu'on a un des que ça en dans déclaration premier bagage que je voulais dire c'est que c'est premier c'est plus gros priorité nous c'est rétablir service là pour clientèle noire hier nous procéder à toutes sortes de remboursements pour eux parce que client qui est affecté yo pas canon situation côté que yo perdu et balance yo à cause de un problème du genre même voulait insister que délai à qui nécessaire li dépend de accès à propriété a. Et c'est message ça que n'a fait paraître et n'a nous voulait faire passer à monsieur paraître c'est que il faut absolument que effectivement et conflit que gagné avec Digicel la régler mais nous pas qu'à nos situations côté que toute population a affecté parce que gon différent entre deux entités. Alors nous-mêmes nous parer pour nous faire et réparation et j'en dis noir depuis samedi équipe nous ont mobilisé et rete sous place jusqu'à ce que nous joignent accès à et n'a fait démarche avec gouvernement pour faire et pour gagner accès à le plus rapidement que possible. Nous pensons que jodi à là et nous que bon note et qui sorti par le ministre de justice là qui dit que yo pral ba nou accès à jodi à là. Une fois que l'accès à bail, nous avons fait évaluation de travaux et nous avons communiqué des délais que le pral gagne pour résoudre le problème là le plus rapidement que possible et pour la population. Donc, c'est exactement différent que le groupe Paret là évoqué. Ils ont même évoqué que Digicel a une redevance financière avec eux. Sous côté pas nous, nous avons vu le protocole d'accord qui est en place là, qui définit
défini exactement qui ça que nous devons et qui pas gain des aspects financiers là-dedans, nous dit que écoutez, nous pas qu'à de façon arbitraire décider que et nous avons dette envers nous et c'est ça qu'a discuté au niveau et légal là. Bon, un aspect qui est important et où dit que c'est là inaccessible, je dis à la qui j'en fait inaccessible, est-ce que gagne ou bloqué nous, pas qui m'a bloqué nous? C'est exactement ça. Fond dit nous que cap sous-marin a rivé Haïti à travers la mer, ok, sous plage Calicoa, et qu'on y a là un cap qui traversait ancien l'hôtel Calicoa pour les river dans le data center Digicel là. Maintenant, cap ça a passé sous propriété privée Calicoa. Pour que technicien nous ka accéder à Kabsa, faut que propriétaire ban nou accès. Depuis samedi, propriétaire a refusé accès à Kabla pour que nous ka faire évaluation et réparation nécessaire. Vous parlez de remboursement que nous payons. Est-ce que ça veut dire que tout client qui en fait perdu on va peut-être faire plan qui garantit que définitivement, et son bagage qui continue tout autant que le problème a persisté. C'est ça que nous faisons, nous adresser les clients qui étaient affectés entre samedi et hier, et nous allons continuer à faire ça chaque jour jusqu'à ce que le problème la résoudre définitivement. Il y a un paragraphe qui évoque un aspect qui est très important dans le communiqué là. Il dit que l'état de situation est dans la zone côte des Arcades, dans la zone Kavessa. Qui ça qui fait dire ça bien accès alors que lui-même qui est propriétaire depuis 2 ans pas capable et bien accès avec site là. Faut me dire que pour site Calico Noir nous avons des équipes qui dédiées qui habitent dans zone là. Ce n'est pas des gens qui sortent de Port-au-Prince, ce n'est pas des gens qui sortent de l'autre bord pour que nous fassions maintenance et que nous fassions le travail que nous devons faire dans le data center noir. So, c'est pour ça que c'est plus facile pour nous. Il y a plein de gens qui essayaient d'arriver de Port-au-Prince et, ou bien de Saint-Marc pour arriver à Calico. C'est là que nous avons des difficultés. Nous-mêmes, parce que c'est ça aussi important, nous avons des équipes dédiées qui sont là en permanence au cas où nous avons des problèmes. Et c'est comme ça que nous avons accédé à la zone là sous côté panneau. Faut me dire que c'est une des plus grosses difficultés que nous avons gagné de samedi. Et pour que nous ayons accès à ce site-là, faut que nous ayons un juge de paix qui te baille instruction pour rentrer dans le local là. Juge de paix qui t'a pris le sorti Saint-Ors, pas en mesure pour arriver à Calico à cause de la route nationale là, Jean Sotia là, qui est très dangereux. OK, nous faisons toute qualité et démarche pour joindre des escortes la police pour que nous ca bouger et entre dimanche et jeudi à là, nous ca comprendre ça monsieur évoqué à, mais nous-mêmes comme compagnie nous sommes toujours près des mesures et côté que nous avons des équipes dédiées dans zone là à cause de l'importance que c'est ça gain. Donc vous dites que le ministre de justice a son bon ordre, est-ce que nous parler avec le ministre là, qui garantit au bon? Définitivement, écoutez, nous voyons des correspondances très formelles, premièrement au Conatel et puis à Primature et ministre de Justice là, pour demander ou pour y avoir instruction pour que nous puissions accéder à ce site là, parce que câble ça, son câble qui affectait tout le pays là, et c'est un problème national que gagne Kounia. So, gouvernement lui-même a fait médiation entre deux entités pour que le problème là qu'à résoudre. Et après ça, gagne des engagements pour que l'aspect légal là continue à suivre pour que nous puissions finir avec la situation ça entre deux entités une fois pour toutes. Bien, Delcy qui évoque l'aspect, nous dit nous a tenté rentrer de force sur ce site-là. Est-ce que ça va aggraver la situation plus si nous faisons ça? Nous ne pouvons jamais faire un bagage qui est de force. Okay? Premier bagage, que seul bagage que nous faisons, c'est demander autorisation pour que nous puissions accéder à ce site-là. Maintenant, autorisation, ça va pas venir de entité gouvernementale et en question yo, qui pral bail autorisation et instruction pour que commissaire de gouvernement PNH ka accompagne nous pour que nous faire évaluation kabio et éventuellement réparation. Dans le début d'intervention là, déjà on t'a souligné que je fais à des difficultés ou encore des peurs pour l'organisation. Définitivement. Mais vous garantissez que la va accompagner nous. Faut me dire nous que nous prenons des mesures que moi beaucoup voulais discuter qu'on y a là pour que nous puissions éviter et que nous passions par route là
et nous pas jamais gain garantie à niveau ça, mais nous pensons que n'a pas arriver et au cours de journée sur la lieu. Mais on connaît deux aspects et si par exemple nous arrivé préparer comme ça qui garantit nous gain pour pas endommager encore. Deuxième partie, c'est qui ça qui la cause? Est-ce que vous pensez que l'endommagement ça lui cause par un certain monde ou bien son sabotage? Qui ça nous pense? Premier bagage, c'est que ou pas jamais gain garantie, mais faut prendre des mesures additionnelles. Okay? Premier bagage que nous avons gardé pour nous là, nous avons un lien secondaire qui fait que le réseau n'a pas tombé complètement, qui permet de nous jouer une capacité qui sortit à partir de la République dominicaine. Ça pour nous faire, c'est augmenter la capacité du lien secondaire, ça, pour si jamais tu as un problème avec le lien primaire là, pour que tu aies une redondance complète. Ça, c'est un. Deuxième aspect, j'en saute dire là, il faut que nous gardions qui mesure que nous prenons pour que nous sécuriser et site là le plus que possible. Et troisième élément, c'est que nous pas en mesure pour nous connaître qui ça qui passe ces câbles là jodi a, parce que nous pas yo pas ba nous accès à site là pour nous comprendre qui ça qui passe a. Une fois que nous gain accès ça, nous ca faire évaluation, n'a comprendre plus bien qui ça qui passe, et c'est ça qui va déterminer qui mesure que pour nous prendre pour que nous protéger beaucoup plus. Bonne question d'ami, par contre. Oui, grand pile goin de a par rapport avec DigiCert chaque semaine qui monte prix et service ligne. Jodi a la nous tendez ça, qui ça dit nous, par exemple grand pile moun ka plein, c'est chaque jour et service a monté, plan va monter chaque jour sans que pas de raison et puis et service a pas vraiment amélioré. Faut me dire que la description ça yo fait, moi toujours vle corriger yo parce que c'est pas une affaire de chaque jour et moi vle très clair sur ça. OK, effectivement, Digicel fait des ajustements au niveau de tarif Lio, mais moi je voulais très clair sur qui ça qui passait au cours des deux dernières années et ça Digicel te prend comme décision et en termes de compagnie. Faut me dire que au cours des deux dernières années, il y a un peu bagaille qui arrivé parmi lesquels prix carburant qui vient doubler, OK? Faut me dire que pour les compagnies de télécommunication en général, OK, le carburant c'est plus gros ligne de coût que compagnie télécommunication gagne. Deuxième aspect, c'est que tu gagne une dévaluation astronomique de goudla contre le dollar. Ce qui veut dire quoi? C'est que investissement que nous fait en dollars fait ou bien gain pour fait et puis ou gon monnaie côté qui a dévalué. Alors pour qu'à continuer investir, pour qu'à continuer et fonctionner, faut que vous fassiez des ajustements de prix. Maintenant, le vite vin gen choc là au niveau de prix carburant yo et prix et d'évaluation goud là, Digicel te prend une décision que tu pral faire des ajustements de façon progressive au lieu que li fait un bagage qui était immédiat tant que tout l'autre secteur dans pays a. Que ce soit manger, que ce soit transport, que ce soit loyer, que ce soit et construction, tout secteur ça a été ajusté prix à dévaluation goud là immédiatement. Et là nous garder indice de inflation qui publié par et entité gouvernementale, nous prenons que en termes d'inflation, le secteur de télécommunication est toujours le plus bas de tous les secteurs dans le pays. Alors oui, nous devons faire un focus sur Digicel parce que nous faisons des ajustements de prix. Faut me dire que comme n'importe quel autre secteur, il faut que nous ajustions nous à l'environnement. Nous te prenons une décision pour que nous ne fassions pas d'un seul coup, que nous fassions progressivement et tout autant que environnement nous a évolué, nous prenons obligé à ajuster nous face à l'environnement nous. Et je vais vous donner un exemple, dernier ajustement significatif que nous avons fait, c'est au mois de juin. Je vous dis à là, nous prenons arriver dans octobre, entre juin et octobre, pas de aucun changement qui fait. Et pour qui ça, pas de aucun changement qui fait, c'est parce que monnaie a été relativement stable. Okay? Nous n'avons pas des bagailles qui changent au niveau de l'environnement de façon drastique et nous-mêmes, nous prenons rester stable face à l'environnement. Mais si l'environnement a changé de façon très drastique, il faut que
quelle que soit compagnie, ce n'est pas seulement compagnie télécommunication, ajuster. Je vous dis à là, son bagage qui est extrêmement important. Toute route nationale est bloquée. Pas de moyens pour que nous transportions et camions carburant à travers la route nationale. Nous sommes obligés ni pour le nord, ni pour le sud, et monter sur des bateaux pour que nous arrivions à Saint-Marc ou bien nous arrivions à Miragouane pour que nous fassions dispatch et au niveau de différents départements dans le pays. Fom dit que la situation, ça lui-même, je ne vais pas parler de tout l'autre aspect qui change dans le pays. La situation, ça lui-même seulement coûte compagnie à plus de 2 millions de dollars par année juste parce que nous n'avons pas pris route. Et c'est ça qui a changé dans l'environnement. C'est ça qui fait que la compagnie a gagné des ajustements que l'autre. Est-ce que si la situation est améliorée, nous sommes capables d'attendre avec nous, nous sommes capables de diminuer? Définitivement. Nous-mêmes, nous toujours voulons maximiser et performance nous. Et à la fin de la journée, là où il y a un pays qui est stable, un environnement qui est sécur et que les gens qui font activité, qui ça que ça crée automatiquement? Ça crée beaucoup plus de mouvements et de activité au niveau de clientèle là, ça crée beaucoup plus de compétition entre acteurs dans le pays là. Et depuis qu'on gagne compétition, on gagne des ajustements de prix qui a la baisse pour maximiser le revenu compagnie. Et vos qualités de service? Ça c'est un bagage tout qui fait partie de l'environnement. Gagne toute qualité investissement que nous toujours planifier et en termes de service. Mais investissement ça yo, OK, yo planifié basé sur une situation ou environnement qu'on définit. Et l'environnement ça a changé du jour au lendemain, ou obligé garder pour comment qu'on peut adapter investissement ça yo. Faut me dire que année ça particulièrement nous décidons de faire des investissements côté que nous avons fait installation en nouvelle technologie qui est le Massive MIMO pour que nous augmentions la capacité et vitesse data sur réseau de façon significative. Nous-mêmes, au mois d'octobre, après commencer le déploiement de solutions solaires sur presque 130 sites à travers le pays pour que nous réduisions la dépendance nous sur le carburant, ce qui peut créer une stabilité additionnelle pour les clients, parce que nous avons un plus gros problème qu'on gagne, c'est la difficulté pour transporter carburant dans différents sites et dans différents côtés dans le pays. Et nous avons des investissements qui prévoient pour continuer avec l'expansion SAO au cours des 5 prochaines années qui se passent. Maintenant, investissement SAO planifié à partir de projections que nous gagnons et à partir de l'environnement que gagne dans le pays. Mais si un bagage drastique qui change dans l'environnement, il faut que projection SAO adapté même genre. Déjà, dernier mot, pour le cap souffrir, il y a des gens à cause d'Internet qui font des business, des entreprises, qui sont capables de dire aujourd'hui, depuis samedi, pas de service Internet pour nous souffrir. Jodi, la première, seule bagaille que je peux dire, c'est que moi vraiment, et désolé qu'en situation du genre, qui c'est un conflit entre deux entités, affecte la population. La population a mérité beaucoup mieux que ça. La population a mérité et rester connectée. Seul bagage que je peux dire, c'est que Digicel engage pour que les rembourser et pendant la période que vous affectez, nous voyez, excusez-nous à clientèle noire tous les jours pour remercier et pour fidélité et patience. Et je voulais assurer que nous avons fait tout ça que nous sommes capables pour résoudre ce problème-là le plus rapidement que possible. Nous avons pris un exemple qui a fait raison qui fait avec l'indépendance du pays d'Haïti à la terre d'Angleterre. Mais moi qui suis parti ça pour nous, pour me passer dans l'émission, je vais le faire aller comme ça, aller dans la journée, je vais faire l'émission. Mais je vais le passer une déclaration avec une annonce pour qui ça, parce que il y a une manifestation qui va le faire dans Long Island. Et bien, dans Long Island, et bien, il y a une manifestation qui va le faire. Manifestation ça, et bien, il va lever campé contre Haïtien qui a recevoir mauvais traitement dans le pays États-Unis d'Amérique. Eh bien, c'est dans Long Island, eh bien, c'est là que les manifestations ont fait. Eh bien, moun qui responsable manifestation ça, qui c'est Edens, qui baille détail, eh bien, comment ça va fonctionner côté tous les invités, puis Haïtien qui vivent la caille tonton ensemble pour rassembler. Nous avons une façon pour faire les républicains reconnaître, ils pas remè, façon, ils ont traité, ou ils ont servi avec Haïtien, ils ont vivre aux États-Unis d'Amérique, mesdames, messieurs. Déclaration, dossier chaud, on allait. Ça va le passer, n'a pas tourné.
levé de bouclier et qui était faite dans la communauté haïtienne, notamment dans la zone pour là. Et nous songez, élu Carrière Soulage, qui c'est un législateur 3e district dans Long Island, il était fait un sit-in, suivi d'une conférence de presse. Il était annoncé d'autres mobilisations qui a fait et contre déclaration Donald Trump et contre déclaration Jed Vance avec l'autre groupe potentat dans le Parti républicain qui dit que les migrants haïtiens dans Ohio, dans Springfield, ils ont mangé animal de compagnie. Et américain. Et demain, si tu veux, on manifestation, une grande mobilisation que nous prévoyons organiser dans Long Island. Et dans ce débat, nous détaillons sur la mobilisation. Ça, qui est-ce qui est derrière lui? Qui ça nous va régler demain matin? Ok, donc c'est même suivi, je suis capable de dire, de conférence de presse et mobilisation que Carrière Soulage a lancé suite à la déclaration raciste que Donald Trump a fait côté que lui visait. Et nous-mêmes, Haïtiens, mais nous connaissons que Donald Trump a gagné Haïtien dans visuel. Cela veut dire que monsieur a décidé pour lui venir faire un rallye dans Long Island, qui c'est dans l'Union Dell. L'Union Dell est une zone qui est chargée avec Haïtien. Eh bien, nous-mêmes, dans la communauté, nous disons que comme Donald Trump a fait la déclaration qu'il fait, comme Donald Trump, eh bien, dans la campagne, son nek qui visait les immigrants, son bataille à mener contre les immigrants, eh bien, nous décidons pour nous à le faire, monsieur, tendez voix, non. Et monsieur a fait l'alliance dans Nassau et Center, et nous-mêmes, et Carrière Soulage, eh bien, prend permis pour lui et permettre que des groupes, et pas seulement la communauté haïtienne, non, mais comme et c'est nous, yo cité non, c'est sûr que n'a devant scène là, mais a gagné en pile l'autre groupe ethnique et en pile l'autre immigrant cap ensemble avec nous pour nal et dit Donald Trump que communauté haïtienne n'a pas connait échappe. Communauté haïtienne n'a c'est voter qu'a voter et communauté haïtienne n'a c'est des immigrants qui yo même a travaillé pour bien-être et pays ça et que nous la donne. Donc c'est notre perspective ça, n'a pas réuni et dehors bon côté monsieur Pral fait activité hein, et à partir de 3 heures parce que monsieur a venu entre 5 heures mais nous-mêmes n'a dégagé pour nous là depuis avant monsieur Vini ensemble avec drapeau nous ensemble avec banner nous ensemble avec pancarte nous et pour aller et dire monsieur ça n'est pas pour nous dire et moi j'ai besoin quand même et fait une petite clarification parce que gagné un pile monde qui a pensé que c'est pral une confrontation et nous pas pral une confrontation ensemble avec personne nous pas pral rentrer dans espace côté rallye monsieur a fait là parce que nous connaît et groupe monde qui derrière monsieur yo non seulement pas parler ouais nous yo veut détruire nous. Donc, si vous avez une possibilité pour faire ça, eh bien, il y a fait. Mais nous-mêmes, vous définissez une zone et une area pour nous qui c'est ça, vous avez une free speech zone. Et côté la police Nassau, eh bien, mettez tout dispositif de sécurité li pour lui permettre que voie nous passer dans le moment ça. Donc, dans ce sens ça, nous invitons tous les compatriotes qui eux-mêmes non, non, Island, et l'autre monde qui est dans la zone avoisinante, moun Queens, moun New Jersey, moun Brooklyn, eh bien, pour yo, est venu pour te coller parce que l'attaque qui a fait là, et n'est pas faite sur moun Island seulement, l'est faite sur tout Haïtien en général. Donc, c'est ça que fait, nous t'as souhaité que, et un peu le monde venu pour yo kawé que nous présents, pour yo kawé que nous frappé pieds nous à terre, pour yo kawé que nous pas d'accord. Ensemble avec le propos raciste de Donald Trump. Bon, faut une récapitulation rapidement. Donald Trump est doué parler dans Nassau Community College demain. Et dans le cadre de la campagne électorale, nous-mêmes, nous avons organisé nous pour nous venir devant Centre-là, pour nous venir manifester, pour nous venir dire Donald Trump, nous pas d'accord avec les propos que lui a lancé qui visait les migrants haïtiens, de ce qu'il a accusé nous, de ce qu'il a mangé chat, a mangé chien, nous dans Ohio. Maintenant, est-ce que, dans le niveau pas nous comme organisateur, nous parler avec d'autres associations, et de haïtiens dans la diaspora pour capable gagner un maximum de présence et demain et dans rendez-vous ça et dans le débat. Oui,
Et il faut dire que Carré Solage est un pilote officiel haïtien-américain, lui-même, et il prend ça en charge. Et vous gagnez en union, tant que 1199, et qui en fait accompagne nous, et gagnez le Parti démocrate lui-même, parce qu'on est nous dans une période d'élection, et quel que soit côté Donald Trump, et toujours gagner des mouns au niveau Parti démocrate là au plus haut niveau et qui balle quand même en sitting. Donc que tout groupe ça yo, eh bien il y a ensemble avec nous manifestation ça, eh bien c'est des slogans qui pral dénoncer caractère raciste que Donald Trump gagne dans discours et accusation sans fondement que monsieur fait sous communauté haïtienne et accusation que petit lui-même lui fait à la, après accusation palio côté petit monsieur dit que et migrants haïtiens c'est migrants qui sortent et qui te gagnent donc nous-mêmes et c'est haïtiens qui pral ontigeant dans devant scène mais pral gagne tout l'autre groupe tout l'autre immigrant yo derrière qui a dénoncé Donald Trump. OK. Nous même qui avec un collègue activiste aux États-Unis, tout, c'est Mimi Pierre Johnson qui a un peu de sens. C'est que parallèlement avec le mouvement de protestation, ça a été solidaire, il faut que nous fassions politique. Et faire politique, supposé mobiliser la communauté haïtienne qui est capable de voter pour exprimer toutes les frustrations, toutes les rejets par rapport à la déclaration de raciste dans les élections. Est-ce que beaucoup de pour gagner genre d'activité ça va faire pour que nous rallier le plus de monde qui est possible pour nous sensibiliser yo et nos communautés haïtiennes sur l'importance pour y aller voter contre les républicains. Justement, et dans le même jour ça et gagner plusieurs organisations qui a marché ensemble avec voter registration et côté si gagner des haïtiens si gagner des monde et qui peut enregistrer pour voter. Eh bien, dans le rallye, il y a besoin de ça. Et ensuite, il y a des dispositions qui prennent et pour doubler, nous sommes capables de dire, et door-to-door, côté nous pouvons frapper porte des migrants, côté nous pouvons frapper porte et des gens dans la communauté pour nous dire, faut y aller voter. Et il faut y aller voter, mais nous avons tout dit, tout, dans quel sens pour voter. Parce que ce qui a passé là, monsieur, c'est que et nous pas une élection normale. Ce n'est pas pour dire que c'est des démocrates qui en face du Parti républicain. C'est un l'air en de Parti républicain qui exprimé, on est capable de dire, sentiment raciste contre de l'autre monde. Donc, et même les gens en de Parti républicain a dénoncé Donald Trump. Donc, c'est sûr et certain, en de campagne ça qui a fait là, on a besoin de toute tendance, on a besoin des républicains. Des gens qui étaient candidats républicains et qui avaient accompagné nous pour dénoncer ça. Nous avons gagné un voter registration, nous avons gagné door-to-door et gagné et des débats qui n'ont pas été fait et que nous avons un pile de monde qui commençait à prier pour gagner et même spot publicitaire que la communauté haïtienne a mis dans des médias, pas vrai, et pour nous capables de motiver et des haïtiens. Parce que je dis à la, c'est survie immigrants. Que Donald Trump menacé. Dans le projet 2025 client, eh bien, monsieur dit dans 90 jours, eh bien, la font mass deportation, en déportation massive que personne ne peut jamais dans l'histoire pays ça. Et l'Ipral bail droit avec des employés l'État pour, eh bien, dès qu'on connaît un immigrant illégal, eh bien, ou capable de rentrer ou arrêter et à déporter. En le projet 2025, monsieur a monsieur dit que y a fait bac pour y regarder fondal natal on sait de monde qui t'est rentré on dit par exemple que parents t'est rentré et puis t'est font mariage mais j'ai pas fait une trop correct ou bien t'est rentré sous décollage même sous une citizen et bien monsieur pralé li pral retirer citizenship c'est ça il dit dans projet de 2025 là pour déporter et monde côté rentré qui t'est bénéficié de résidence à la suite de peut-être ça, M. Pral considéré comme un faute là, eh bien, il y a déporté autour. Donc, cela veut dire que c'est pour un petit bagaille petit, c'est pour un bagaille qui seulement visé des gens qui ont des TPS, des gens qui rentrent dans Biden, des gens qui ont cherché asile, mais c'est un plan global que M. Gagné pour y finir avec immigrants noirs. Parce que ça qui est important pour nous noter
dans démarche monsieur c'est que et monsieur bon tolérance pour l'autre immigrant monsieur pas gain même pour ça il a parlé de immigrant pour les ukrainiens ou pas immigrant monde qui sorti dans Europe l'est pas immigrant pour lui donc ça veut dire que monsieur besoin un américain blanc pas vrai côté que eh bien vénézuélien haïtien il pas tellement attaqué cubain parce que monsieur connaît dans Florida si cubain ou levé contre lui la perdu Florida il pas tellement attaqué mais il visait haïtien il visait vénézuélien il visait une série de groupes eh bien côté que la première bataille ça a compté donc faut que nous tous nous mettons ensemble pour nous faire échec à plein 2025 ça. Et je ne sais pas, merci un peu, lui, d'être disponible pour nous matin. Laissez-moi vous remercier, nous, permettre que nous avons un numéro de téléphone. Et puis, rappelez consigne, tout pour demain. Oui, et bien, consigne, c'est très clair. Évitez confrontation. Et si nous voyons une ville figure, nous, par exemple, et besoin quand même, pour harasser nous, marcher. Pas confronter, pas entrer dans aucune confrontation à personne. Et mettre un groupe. Oui, puis nous, on green pas bon ici, ton green bon l'autre bon, parce que nèg sa yo habitué à faire des actes déjà dans le mode activité sa yo, et suivre consigne la police, suivre consigne et des moun que nous prenons mettre là, et bien qui pour qu'il y ait des groupes là ensemble et pour nous capables de des slogans. Et je vous pose une petite question. Oui. Oui. Nous connaissons Long Island haïtien, mais il n'y a pas autant d'haïtiens que dans Brooklyn, que dans Queens. Est-ce que y a des consignes pour transport? Est-ce que n'a pas encouragé carpooling, covoiturage? Est-ce que y a des bus disponibles? Sur vos transports, qui ça gagne comme planification? Moi, je pense que il est 99 qui c'est une union et qui est très large en dedans Brooklyn et Long Island. Il y a plusieurs filières dans les. Yo que nous avons ensemble avec yo, yo même yo te prévoit ça. Parce que c'est une décision brise sous coupe. Et c'est mercredi, pendant moi-même personnellement, je suis sorti de Washington, et puis nous voyons que monsieur a vu Long Island. Donc de mercredi à l'autre mercredi, nous faisons des rencontres pour prendre une décision ça yo, et bien, il y a des infrastructures, c'est le Parti démocrate là, il y a des infrastructures, c'est des unions, tant qu'il est venu à l'INA et d'autres. Et Union qui ont même appris ça en charge. Oui, nous encourageons carpooling, par exemple, nous disons, si on est sorti de Brooklyn, et bien, il connaît deux, trois autres mondes qui a venu, monter ensemble avec lui, nous baillons explication sous train, par exemple, mon monde qui a venu, dès qu'on prend, ou à sorti de Brooklyn, ou prend, et I-train, ou bien prend F-train, et l'offre nous prend, ou prend N6, qui peut être capable de lagoner dans la zone, donc, relais, pour nous capables plus ou moins expliquer mon yo j'ai pour y atterrir mais Robertson et guys c'est rien dans l'organe c'est tout ici on est guys mais on est là dans Brooklyn et Church Nostrand non c'est oui c'est Nostrand ça bouche là on prend la terre c'est fini. Oui, c'est à plein, on va prendre la vidéo. Donc, on a demandé pour faire des planifications. Merci pour l'information, ça va partager avec nous. Bon la journée, M. Débat. Merci. Permettez que je vais téléphoner en Mali 347-546-1468, 347-546-1468. Lele pour nous capables de gagner plus d'informations sur qui je vais arriver, qui côté exactement à pied. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. D'accord. C'était Eden's débat.